Vidéo de mon oncle. Ladies and gentlemen, boys and girls, anybody else, laissez-moi aujourd'hui vous parler d'Elvis Presley, le Messie du rock and roll. Tout Messie qui se respecte a des disciples. Puis des convertis. Saint-Pierre, on pourrait dire le bras droit de Jésus, c'est celui qui a diffusé son message. Sans Saint-Pierre, Jésus n'aurait peut-être même pas existé. Elvis a eu son Saint-Pierre. Il s'appelait Sam Phillips. Le propriétaire de la compagnie Sun Record. C'est l'homme qui a diffusé le message d'Elvis sur toutes les radios des États-Unis. Sans Sam Phillips, personne n'aurait entendu Elvis. Jésus a eu son symbole. C'est l'homme qui a transformé le petit emmerdeur de juif en un messie. Sans Saint Paul, personne n'aura entendu parler de Jésus. Elvis a eu son Saint Paul. Il s'appelait le colonel Parker, son gérant. L'homme qui a transformé le petit bouseux chanteur de Memphis en une star du rock and roll. Ça s'appelle Saint-Paul. Qu'aurait été le message de Jésus sans les quatre évangiles? Rien. Elvis, dans ses chansons, nous laisse un évangile. Quatre évangiles sont particulièrement importants. Jailhouse Rock, Don't Be Cruel, Blue Sweat Shoe, Heartbreak Hotel. Que serait devenu Elvis sans ses quatre hits? La question mérite d'être posée. Les pèlerins chrétiens vont en pèlerinage à Jérusalem pour se recueillir dans l'église du Saint-Sépulcre, là où serait apparemment mort Jésus. Le fan d'Elvis va en pèlerinage à Graceland, à Memphis, au Tennessee, pour se recueillir sur le tombeau d'Elvis. On peut même dire que Memphis est la Jérusalem du rock and roll. Finalement, Jésus est ressuscité. Et après sa résurrection, personne ne l'a jamais revu. 20% des Américains vont vous jurer qu'Elvis is alive. Et bien sûr, personne ne l'a jamais revu. Encore un ressuscité. Et que nous reste-t-il de tout cela? Les bonnes paroles de Jésus et les chansons d'Elvis.